m'appelle Adrien. Je suis une interprète au musée de Saint-Boniface. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques parties intéressantes de la vie de Damas Carrière, un homme métis qui a grandi pendant une époque turbulente pour les communautés de l'Ouest. Il était témoin de la résistance de la Rivière Rouge, la création du Manitoba et la résistance du Nord-Ouest. Comme étant un miroir pour nos communautés et une fenêtre pour ceux qui cherchent à découvrir notre passé, c'est notre responsabilité comme musée de conserver et de raconter l'histoire des gens comme Damas. Né à Saint-Vital en 1851, Damas est né pendant une période où les Métis étaient encore majoritaires dans la région. Il s'est marié à Marie Pélagie Parenteau en 1875. Elle était la nièce de Gabriel Dumont. La photo qu'on a ici au musée a aussi été prise en 1875. Ils sont tous les deux déménagés à Saint-Laurent-de-Grandet, un petit village au sud de sur la rivière Saskatchewan Sud, en 1877. Vers ce temps, il y avait plusieurs problèmes qui commençaient à affecter les communautés au Manitoba. Et ça aurait été une possibilité pour laquelle ils seront partis vers l'ouest. C'était des temps difficiles pour tout le monde dans la région de la Rivière Rouge. Le bison était quasiment exterminé. Et donc, les communautés métisses et Premières Nations qui fiaient là-dessus comme source première de nourriture souffraient. En plus de cela, la traite de fourrure était en déclin et n'était plus fiable comme source de revenus monétaires. Et en plus de cela, les colons qui arrivaient à la colonie, qui étaient promis un nouveau début, sont arrivés seulement pour découvrir que les gens qui étaient déjà ici étaient en train d'organiser une proteste pour leurs droits. Et donc, il y avait une instabilité et une tension qui commençait à se développer ici. En plus de cela, des mauvaises récoltes pour plusieurs années ont résulté avec un manque de nourriture. Les communautés étaient prises par la faim. Ils étaient peur par l'instabilité qui se passait. C'était un temps très difficile pour tout le monde à l'Ouest. Un des résultats de la tension entre les Métis et le gouvernement canadien était la résistance du Nord-Ouest, une révolte violente de 5 mois contre le gouvernement fédéral. En plus des Métis, il y avait plusieurs groupes de Premières Nations qui étaient des participants importants à la résistance. Il y avait aussi des Canadiens français parmi d'autres membres des communautés de l'Ouest qui ont participé. Il y avait plusieurs batailles qui ont passé parmi ces 5 mois-là. Un des plus notables aurait été la bataille de Coulée-Touron ou la bataille de Fish Creek, ainsi que la bataille de Batoche. Damas aurait participé à ces deux batailles-ci. Les Métis ont initialement bien fait dans le conflit en se battant de style guérilla contre les forces canadiennes. Par exemple, à la bataille de la Coulée-Touron, les forces métis menées par Gabriel Dumont ont réussi à dérouter les forces canadiennes qui essayaient de se rendre à Batoche. À la bataille de Batoche, celui où Louriel s'est rendu aux forces canadiennes, les Métis se sont battus avec succès pendant 3 jours. Malheureusement, les forces canadiennes étaient beaucoup mieux équipées et les Métis commençaient à manquer de munitions. Vers le 3e jour, quand l'armée a commencé à rentrer dans le village, Damas a subi une blessure à sa jambe et ne pouvait pas se sauver. Ils l'ont pris pour Louisville. Ils l'ont attaché par le cou. Et puis ensuite, ils l'ont attaché à un cheval. Et ils ont envoyé Damas à sa mort. Voilà l'histoire de Damas. Les forces canadiennes l'ont mis à mort de façon cruelle, mais elles n'ont pas pu exterminer la culture métisse, ni à la lutte pour leurs droits. Son histoire est preuve. L'histoire de Damas est un exemple des épreuves que les Métis ont dû endurer à l'époque, de la crainte de perdre leur terre, de perdre leur mode de vie, et aussi à endurer la haine et le racisme de l'époque. La lutte pour les droits métis continue encore aujourd'hui, grâce à son sacrifice et au sacrifice de plusieurs autres Métis.